Assalamu alaikum. Bonjour. Je m'y en. La traduction, c'est qu'à ta langue. Salam. Assalamu alaikum. Oui, alors. Assalamu alaikum. Good afternoon for everybody. Welcome to official pre-match of press conference of Team Morocco for the FIFA World Cup Qatar 2022. Quarter-final match number 60, Morocco-Portugal, will take place tomorrow at 6 p.m. in El Tumama Stadium. Before we get started, let me welcome the head coach, Mr. Walid Agragi, and the goalkeeper, number 22, Ahmed Rida Tegnauti. Please, if you have to ask question, raise your hands, wait for a microphone, and introduce yourself, your name, and organization. Translation is available on the screen through the FIFA interpreting application. Please let us know in which language you are going to ask the question. Switch off your mobile phone or put them in silent mode. Make sure that your mobile hotspot has been disabled. Please, one question per journalist. Photographers are allowed on the first 5 minutes. Afterwards, then you must leave the room. Much appreciated your understanding. Allow me, before we give the floor to journalists, to ask both coach and player as an opening statement, what do you think about the match tomorrow? Du match ou on commence les questions? Parlez du match. Bon. Bonjour, salam alaikum. Bon, bah, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Plus les matchs, avancent, plus la difficulté est plus importante. On va tomber encore contre une équipe qui est une des meilleures au monde, avec des joueurs qui jouent dans pratiquement les meilleurs clubs au monde, avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, on sait que ça ne va pas être facile, mais comme l'Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, de toute façon, tous ces matchs-là sont de la même difficulté. Donc voilà, on va donner le maximum encore pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire. Et on est très motivés pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en huitième de finale. Thank you. Mr. Tegnauti, please. Assalamu alaikum. Aoul Haja, بالنسبة للمقابلة ديال غدا إن شاء الله. ما كتعرفوا سي لا كارت فينال ديال لا كوب دو موند. والحمد لله حنا واجدين مزيان وبريباري الماتش ديالنا مزيان. On espère ان شاء الله نبقاو غاديين في لو شومان ديالنا باش نفرحوا الجمهور المغربي وندوزو للدومي فينال ان شاء الله. Thank you. The floor is yours, please. عادل الرحموني, مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سؤال للسي وليد, منذ لحظات انتهى المؤتمر الصحفي ديال المدرب البرتغالي مع احد اللاعبين قال بان درس المنتخب الوطني نقاط القوه ديالهم والنقاط ديال الضعف, وانهم غادي يلعبوا على نقاط الضعف اللي ما شافوهمش لي زيكيب اللي لعبتوا معاهم قبل. شنو هي الاسلحه اللي ممكن يوظف وليد الركراكي في هذه المباراه؟ بالنسبه للسي تيغناوتي, كتعرفوا على ان هذه المباريات فيها واحد النوع ديال الحساسيه, خاصه ما بين المغرب والبرتغال اللي تلاقينا معهم جوج مرات, فازوا فزنا عليهم. الوغ شنو هي العقليه ديال اللاعب انه كيبان له المربع الذهبي؟ كيفاش العقليه ديال اللاعب المغربي وهو غادي ينفتح على المربع الذهبي؟ اول حاجه كما كتعرف هاد المقابله هادي كما قلت زعما سي لا كارت فينال, وحنا عارفين المسؤوليه اللي علينا. وبالنسبه زعما الحساسيات, ما
كنفكروش فيهم حنا سانسيرمون بالنسبه حنا كلاعبين تنفكروا في كنركزوا بزاف على الاداء ديالنا وشنو خصنا نقدموا ان شاء الله باش ندوزوا للدومي فينال ان شاء الله اي فوالا ايوا دو توت فاصون à ce stade de la compétition tout le monde analyse tout le monde observe les points forts les points faibles nous bien sûr qu'on a des points faibles comme toutes les équipes. Le Portugal peut-être un peu moins, mais comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori. On ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, on est le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Et si on réussit à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense qu'on... Comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. Donc mon discours, il ne va pas changer. Assalamu alaikum, Walid and Ahmed. Walid, I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. Do you want to translate in Arabic after? Yeah, Liberty. Okay. You're the fourth African team to make it to the quarterfinals after Senegal, Ghana, Cameroon. It's a great legacy. You're the first Arab team to get this far to the quarterfinals. We've spoken to your fans in the stadium, outside the stadium, from across the region. They were celebrating in the Arab world. They were celebrating all over the world. How does this make you feel? What is your message to your fans, especially in the region? And what's your biggest challenge against Portugal? No, the first I'm proud, me and my country and my team, to make Morocco in this tape. But yes, you represent first Moroccan people, because one country. After, I know for the origin, for the religion, you have Arabic people also, and now you have the first team Arabic people play quarter final. But we are African, the first, and I think and you feel. In the social media, and you feel the positive vibe. You have not only now one country behind you. You have one continent. You have Arabic people also is with you, and I think the fans is come to support you in Tumama Stadium, inshallah, for we make history together. And that is very important for us. But we don't forget the first we play for us and for my country. But we feel this positive vibe. A lot of people, Arabic people, African people, and Moroccan people. A lot of people pray for us. Alhamdulillah. Thank you. Please, photographer, you can leave, please. Coach Walid? Yes? Over here, Mark Leeson from Reuters. I wanted to ask you about your injuries, sir, about... Agüerd, about Saïs, about Amrabat, and if you are to miss a player like Agüerd, how big a blow is that going to be for you? Yes, in the beginning of the competition, a lot of injury, a lot of people sick. We play a lot of game, and you are not 100% of the team. You can play with 100% power, but. I'm proud for that because nobody see Moroccan with 100% player. He can play with his possibility. Now we have Agüerd. We are waiting tomorrow, inshallah, if he can play or not. But what I say in the beginning of competition, we have 26, a lot of people, lot of team. He don't have his squad completely. And Morocco, he have this same problem. We need to find solution. If you have another player, he play in this position, he can give his best for the team. That is important. He's the spirit, not the player. Agüerd also, of course, is very important player in the defense.
But we have Yamik, you have Banoun, you have Dari. Can make the job, inshallah. Coach, il est spécialisé au Qatar 360. كيفاش كتشوف الحاله البدنيه ديال اللاعبين والجاهزيه ديالهم خاصه ان المباراه الاخيره لعبوا 120 دقيقه امام اسبانيا وبالنسبه لرضا كيفاش كتعيش المونديال هذا المونديال الثاني ديالك بعد روسيا كيفاش كتعيش الاجواء خاصه ان كنشوفوا العلاقه الجيده بينك وبين بونو وايضا محمدي وجميع اللاعبين Bon, بالنسبه للاجواء كما كان عايشها دونك سي اكسيبسيونيل سورتو ك الحمد لله دابا حنا في الكارت فينال ديال لا كوب دو موند وبالنسبه ليا هذا شرف ليا كبير والحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نفرحوا المغاربه اون اسبيرون ان شاء الله نفرحوهم غدا وسي باش ندوزوا لا دومي فينال نكونوا كاول منتخب افريقي وعربي تيدوز لا دومي فينال ان شاء الله عارفين كل المهمه المقابله ما تكون زعما سهله او ميم طون بالنسبه للصداقه ديالي ما بين ياسين بونو ولا منير محمدي ولا اللاعبين كاملين حنا كاملين خوت هاد لا سيليكسيون تبارك الله زعما سانسيرمون كلشي كتشوف بلي حنا اون فامي فهمتيني زعما دونك اللي لعب فينا واللي اللي دخلت لو بلوز امبورطون هو المغرب يربح وهادشي اللي كاين فوالا على لا برولونغاسيون بارابور او جوور اي على ليتا دو فاتيغ et les blessés. Je le répète, depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher, on n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical, je l'ai dit la dernière fois, et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, et on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessés. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour le pays. Walid Reda, salam alaykoum. Je suis Rachid Khanatriyadia. Walid, je vous remercie de la tactique, de la technique, de la walo. Mais ce que je veux dire, c'est Rissala. Je suis fait le mondial. Fernando Santos, dans le Moutamar Sahafi, قال على انه اللعابه ديال المغرب عارفينهم على انه السلاح ديالهم هما عائلتهم والشعب اللي موراهم حنا غنتحدث على واحد الفئه اللي كتبع المنتخب الوطني هما الناس ذوي الاعاقه لي زونديكابي في المغرب شفنا بزاف ديال لي فيديو والبارح شفنا واحد السيد في عمره 72 سنه ما كيشوفش جاوا هو مراته من المغرب باش يتفرج في ليكيب ناسيونال ومراته كدير له لو كومونتير ديال شنو واقع في التيران كتوصف له شنو واقع شنو هو الميساج ديالك لهاد الفئه اللي عطيتها واحد لاسبوار وعطيتها واحد الامل كبير باش حتى هما يعيشوا هذه اللحظه الاستثنائيه في التاريخ ديال البلاد كامله رساله هذا سؤال ليك ولا رضا ميرسي de toute façon moi j'ai toujours vu une équipe nationale elle doit servir de elle doit être un porte-drapeau on va dire déjà sur le terrain mais elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions et elle doit rassembler donc voilà l'objectif pour nous au départ bien sûr c'est de gagner des matchs Mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, eh ben, les gens s'identifient à nous, et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe nationale. Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, je pense qu'il n'y a pas... Et ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. À partir du moment où on a réussi ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs, il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, nous on est venu pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus ça permet justement qu'il y ait des gens, ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, et ben tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais... Nous, on reste focus sur le terrain et le reste, eh ben, comme j'ai dit, ces ondes, on le ressent et c'est tant mieux pour le public marocain. Mourad Moutawkil,
pour la chaîne marocaine M24. Rida rigolait que Fahali. Ah, le coach. Je rigolais. Mourad Moutawkil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à la droite. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile de redescendre du nuage, comme, c'est-à-dire si du côté du public, on l'est toujours, ou de ceux qui regardent en tout cas, est-ce que pour un sélectionneur, c'est difficile de remettre tout le monde au travail? Ou, سؤال تقنوتي, واش شنو تقدر تقول لنا على دوك الصور اللي شفنا في الدول العربية اللي احتفلوا تاهما بالفوز ديال الفريق الوطني المغربي؟ Bon, كما كتشوف كنشوفوا في لي ريزو سوسيو كو تقريبا جميع العرب كيشجعونا وتيساندونا, دونك حنا عارفين كو تي لي افريكان اوسي, دونك حنا عارفين كو هادشي هذا كيعطينا واحد الشحنه كبيره باش نبقاو غاديين في المسار ديالنا, وكنبغيو نشكرهم بزاف على الدعم ديالهم. الاول فيهم هو المغرب, الجمهور المغربي تنبغيو نشكرو بزاف, وميم طون الجمهور العربيه ولي افريكان اوسي. فوالا. Non, bah tu me connais, moi, de toute façon, le nuage, moi, je ne suis pas encore monté dans le nuage, ça, c'est sûr. Donc, voilà, on essaie de donner, on essaie de changer la mentalité, je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en huitième de finale et qui donnaient... je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim. Ne croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. روحلمي from BBC Arabic. I'm gonna ask in Arabic. سؤالي, هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ لا, احنا كان نلعبه بالضغط ديما. احنا عندنا واحد الجمهور اللي كيتلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديروا, اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب, درناها. ابري بداو كيحلموا ندوزوا للدور الثاني, درناها. دابا دوزنا الكارت فينال, دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتجمعوا نقدروا نديوها, علاش لا؟ دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون, بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول, هذه اللي مهمه, خصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غنندموا. دونك بريسيون ديما كاينه, كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه, دونك باغيين حنا نفرحوهم, وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف, وهذه الستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. السلام وليد, شكر الكنزالي قناة حنبال من تونس. وليد, المنتخب المغربي عمل إنجاز العربي بالمرور لأول مرة للدور الرابع النهائي كمنتخب عربي. أنا حاب نسألك على المدرب العربي, هل يمكن أن يتغير حال المدرب العربي بعد التجربة متاعك على رأس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عربي يأخذوا منتخبات أوروبية, ربما حتى فرق أوروبية. هاد السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان, علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ هادي سي ان كيستيون سوسيتال, سي ان كيستيون دو
d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, Anaki Benni, impossible. Manchester City ou la Barcelone ou la Paris Saint-Germain, j'ai beau مدرب عربي تفرسهم. يقولوا علاش غنجيبوا هذا؟ بحال اللي حنا ما قارين، بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره، بحال اللي حنا ما قادرينش عليها. Mais il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être inshallah avec des résultats et c'est à nous de travailler les entraîneurs africains et arabes باش نبينوا ملي قادرين. Mais déjà هضرنا على les statistiques. Déjà, ملي كدير 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que oulé des Afraki, reconno des africains ni des eaux. Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc à un moment donné, dit Kachi, c'est comme l'expérience. L'expérience. Ouais, ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc. Il n'a pas l'expérience. Sept matchs, tu es en quart de finale. C'est Oussama. Qui fait l'expérience. Il dira compétence. Tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulmans, chrétiens, compétences. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétences. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. Un ami glissma raïs diel jamia, goutelon. On part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026. J'ai dit non, non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, Khsna, carte finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors, je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois, il faut dire les choses, compétence. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Salam alaikum. In the middle? Here, in the middle? Ah, sorry. Hello, Benjamin Zumir from Germany, T-Online. I would like to ask you in English. When you look at your last opponent, Spain, a team with in the World Cup with the most possession by far, your next opponent, Portugal, has a bit less, like 57% average. How will that change your game plan for the game tomorrow when you will have a bit more possession than in the Spain game, where you talked about having the mentality to run all the time for the ball? Tomorrow you will get the ball a bit more. Yes, of course. You run a lot against Spain, but... and for that, I listened a lot of critics about the game against Spain because you let the ball to Spain. But we don't have a lot of choice when we play against one best team of the world. And when you see the last 20 games of Spain, nobody in the world can keep the possession in the Spain. And I don't know why, after this game, a lot of people and European people begin to talk about, yes, Morocco defend a lot, he let the ball, but I see French team against Spain. Maybe 1 year ago, he don't have the ball. Germany, Portugal also. And why Morocco need to keep the ball? Why African team need to play very well and you lose after and you begin to cry about your spirit? We play same of European team tomorrow also. We go for that. Maybe Portugal can keep the ball, but I agree with you. If you let a lot the ball to Portugal tomorrow, maybe it's a mistake. You need to pass one step, inshallah. Maybe you keep more the ball for you. You have more power, inshallah, for you. You make history. But we have a plan for tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum, si Walid. Bounafa, موقع 9 TV, الإلكتروني. أولا كان هنيك على هذا يعني الربع النهائي اللي وصلت له. كما قلتي الحلم بدا كيكبر. هذا يعني المغاربة الحمد لله عندهم غاية أننا نمشي إن شاء الله للدومي فينال ولكن شنو هي الأشياء التي تخيفك في المنتخب البرتغالي خاصة أن حسينا من نبرة ديال المدرب البرتغالي أن رونالدو ربما لن يكون في التشكيلة لأن الطريقة باش كيتكلم المدرب البرتغالي كتعني بأنه سيستغني في هذا اللقاء كذلك على رونالدو شنو هي الأشياء التي تخيفك كذلك في المنتخب المغربي باش نحقق التأهل إن شاء الله التاريخي للنصف النهائي Wow. Pour moi, on va tomber des meilleures équipes au monde demain. On a un gros challenge
Ça va être un match très difficile. Ils ont de la qualité de partout. Partout, ils ont 2-3 équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif. Ils vont avoir de la fraîcheur. Est-ce que Ronaldo va jouer? Moi, en tout cas, en tant que coach, j'espère qu'il ne va pas jouer. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais on va pas se concentrer sur le Portugal, ce serait une erreur. Mais eux, ils ont faim, ils veulent rentrer dans l'histoire aussi, nous aussi. Je pense que le stade il sera marocain, c'est une donnée importante pour nous aider. Mais on est capable, pourquoi pas. Et Ali Goulti dit que le helm, il faut qu'on soit positif, optimiste, mais ça ne va pas être facile. Il faut avoir l'humilité aujourd'hui de ne pas s'enflammer. On a fait une performance contre l'Espagne. Est-ce qu'on est capable de la refaire 4 jours après? C'est le challenge que je propose à mes joueurs. Et c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que vous êtes capable de refaire ça? Et demain, on aura la réponse. J'espère qu'elle sera positive. Salam alaikum, c'est Walid, c'est Reda. Salam. C'est Walid, c'est Reda. Oui. La chose, dans le 19 de Sharia, au Qatar, ou la Bimikou du Saoudi, tous les gens qui ont été salamés, tous les pays, ont fait un peu de temps. قلنا للندوه الصحفيه اللي كان ديال البرتغال واحد من الطاقم ديال المنتخب البرتغالي قال لي علاش لابس القميص المنتخب هذا كيبين بان خايفين منه اللي بغيت نقول لكم نعرفك انك اخ ديال اللاعبين كاملين ودير رساله مني والجماهير المغربيه وانكم تقاتلوا لان راه سيدنا الله ينصره نخرج الشارع لابس القميص المنتخب والرايه ماشي حاجه طبيعيه بليز كويشن هذه ماشي سؤال هذه رساله تقاتلوا غير تقاتلوا بلا ما تقولها له بغيتكم تقاتلوا وتفرحونا وشكرا لك سي رضا الله يحفظك خويا السلام عليكم جلول التويجر من جريده المنتخب غيتقاتلوا قلت لك سي وليد شكرا لك شكرا للمنتخب الوطني لانكم اسعدتم المغاربه نفتخر بكم سي وليد بغيت نعرف شنو المشاعر ديال اللاعبين المغاربه وايضا انت شخصيا اللي شاهدت سيدنا يخرج الى الشارع مع الشعب وارتدي القميص المنتخب الوطني رفع الرايه المغربيه كيفاش حسيتوا انتم كلاعبين واش هذا ايضا حافز لانه اللاعبين يتقاتلوا ان شاء الله كما قلتي باش يحققوا نتيجه الفوز امام البرتغال وندخلوا للتاريخ من اوسع الابواب شكرا انا اول حاجه سي تون فيغتي اكسيبسيونيل ملي كتشوف سا ماجيستي الله ينصرو خرج للشارع مع احتفل مع الجمهور المغربي وهذا الشيء هذا حنا شفناه في لي ريزو سوسيو وعرفنا كو يعطينا واحد لينيرجي كبيره باش ان شاء الله نبقاو غاديين في المسار ديالنا وان شاء الله بوركو بان دوزو للدومي فينال ان شاء الله واللي غنتقاتلوا عليها ان شاء الله بزاف واللي كاع اللعابه كونسيون بالماتش باش ندوزو ان شاء الله ونشوفوا عاوتاني سا ماجيستي فرحان والشعب المغربي اوسي كوتش وليد باريسي وي تانو ديالو دو لا غيني ديجا بور كومونسي فيليسيتاسيون بور لو ترافاي كو زافي في ان سي بو تان او سين دو على تيت دو سيت ايكيب ماروكين. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Maroc, c'est la 4e équipe africaine à se qualifier en quart de finale. Dans les discussions, je sens que beaucoup sont satisfaits de cela. Et pour moi, on peut faire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, le message que vous faites passer au sein de votre équipe, non seulement on peut briser le plafond de verre, mais en plus de ça, on peut aller au bout, comme toutes les autres équipes qui sont en quart de finale. On y va étape par étape, comme tu l'as signalé, c'est la 4e fois pour l'Afrique, donc on est un porte-drapeau, on ressent aussi cette pression, mais c'est une pression positive. Maintenant, on veut rentrer dans l'histoire, avec notre mentalité qu'on a depuis le début, avec notre qualité de jeu, mais on a un seul souci aujourd'hui, si c'est pour être un peu négatif, parce que j'ai donné beaucoup d'optimisme, c'est que nous, on a joué beaucoup, beaucoup de grosses cylindrées. Depuis le début de la compétition, on a lâché beaucoup d'énergie. Quand on a regardé les parcours un peu des quarts de finalistes africains avant, quand même, ils avaient eu un parcours plus ou moins pas facile. Mais nous, on a joué quand même la Croatie, on a joué la Belgique,
On a joué le Canada, qui est une des meilleures équipes en Amérique du Nord, qui a fini devant les États-Unis. Et là, on s'est pris l'équipe qui te fait le plus courir en huitième de finale, c'est l'Espagne. Et pour en quart de finale, avoir le Portugal, une des meilleures équipes au monde. Mais c'est un super challenge, justement. On n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le challenge, il est de réitérer les mêmes exploits. Et en plus, si on passe, il n'y aura même pas de... je pense qu'il n'y a personne qui ne pourra plus parler après cet exploit si on arrive à le faire, parce qu'on n'aura joué que des gros. On n'a pas eu un match facile. Mais on a envie de montrer que l'Afrique est présente, que le Maroc est présent, qu'aujourd'hui, on est sur un nouveau football mondial qui s'est internationalisé, qu'on n'a rien à envier à personne. Nous aussi, on a des bons joueurs. Nous aussi, on a une fédération qui nous aide. Et on a un peuple derrière nous. Et on a un continent en plus derrière nous aujourd'hui. En plus, comme on a dit, puisqu'on en rajoute un peu le monde arabe, ça fait beaucoup de gens derrière nous. Ça doit nous pousser. C'est peut-être cette énergie qui va nous permettre justement de briser ce plafond de verre. Et on ne veut même pas être négatif à dire on ne va pas le passer. Mais en tout cas, on va donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. C'est notre leitmotiv depuis le début. Pas de regrets, pas de regrets et pas de regrets. Après, si on tombe sur meilleur, si le Portugal demain arrive à résoudre les problèmes qu'on va leur poser et qu'ils gagnent, on les applaudira, on leur dira bravo, on leur souhaitera bonne chance. Bonjour Walid, bonjour Rida. Hier, dans une émission où je participais, Sorine, l'ex-capitaine de l'Argentine, a dit, en insistant sur là, que le Maroc est la meilleure équipe au mondial au niveau de l'intensité. Est-ce que c'est l'effet surprise ou tu ressens vraiment cette intensité par rapport aux autres équipes nationales? Et pour Rida, c'est extraordinaire d'être aussi joyeux et aussi impliqué en étant troisième gardien, c'est pas évident. Wesh mbad bono tblissa ضد بلجيكا ou جات كخلاع. انا ولا كوتش زيد زيد لا اول حاجه شوف ملي كيكون اي لاعب في العالم تي فرح بزاف ملي تيكون في لا كوب دو موند. وبالنسبه للخلاع بلاكس سا نيكزيست با في الكره بلاكس هذا سي كيبقى ان جو دونك ما عندك لاش تخلع. Donc le plus important, c'est que quand tu m'as juste cherché comme le rôle de la concentration, le rôle de la compétition. Donc, puis ma chance n'est montée qu'à le faire avec le Watani, radin qu'on me charle les camos bis du malade les qu'avant moi. Voilà. Extra time, please. Tout la suite. Ouais, écoute, c'est gentil de la part de, c'est Sorine, c'est ça? Ouais. Écoute, c'est gentil. Après, je pense qu'en termes d'intensité, tu as des équipes comme l'Angleterre aussi qui sont pas mal. Le Brésil, ce sont pratiquement deux équipes. C'est pas mal. Nous, on joue avec nos moyens. On joue surtout avec nos valeurs. Et on n'oublie pas d'où on vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut procéder autrement, je pense qu'on ferait une grosse erreur. Aujourd'hui, on est l'outsider. On connaît nos qualités. On connaît nos points forts, nos points faibles. On est une équipe qui est solide aujourd'hui. Pour nous marquer un but, c'est compliqué. Et on a des qualités offensives qui peuvent nous permettre à tout moment d'aller marquer un but. Donc voilà, il faut qu'on reste sur ça. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est le jour où on va s'enflammer, qu'on va croire qu'on est plus fort ou meilleur que ça, en tout cas dans cette compétition, on fera une grosse erreur et on prendra la porte et on sera déçu. Donc nous, on va continuer avec cette intensité, si on peut encore la donner, et avec beaucoup de concentration. Demain, ce match, il va jouer sur des détails. Je pense que le Portugal, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils ne marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Et si on arrive en plus à la mi-temps avec un match nul ou qu'on mène au score, ce sera encore plus compliqué pour eux. Donc eux, ils ont intérêt à marquer très tôt. Sinon, ils vont rentrer dans des problèmes. Et ça va être notre plan de jeu. Please, last question. We are in extra time, please. مدير نشر موقع سبور ان بوينما. سؤالي للسي وليد الكراكي بعد التهاني ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق في المباراه المقبله ان شاء الله. هو واش اليوم كتعتقد بان العقليه المغربيه فعلا تغيرت؟ الهدف اللي كنتي كتسعى ليه هو اننا ما نبقاوش نجيو نديرو ان بريزونطاسيون هنايا ولا بريستاسيون ونمشيو وحنا كنبكيو باننا درنا مباريات كبيره ولكن ما حققناش نتائج. واش اليوم العقليه تغيرت ثم باش ما تكونش هذه المرحله استثنائيه فقط ورجعوا للعهد السابق اشنو يخص كره القدم الوطنيه باش تبقى غاده في الاستمرار ديال هاد النجاحات اللي تحققت اليوم مع وليد الكراكي؟ شكرا. لا تبدلت باسكو لي ريزولتا فون ك زمننا غنبدلو كون لابيتي فيان تان مانجون. دونك كون فوا ك كون اس كون اي كاباب دو فير ان كوب دو موند فورسيمون سا فا نو دوني انفي اي سا فا دوني ميم ا بليزيور باي كي نو ريسامبل دو فولوار فير لا ميم شوز. ابري سي لو ترافاي او كوتيديان افيك لا فيديراسيون افيك لي كلوب de passer le cap sur le plan professionnel, la rigueur aussi,
Et si on continue comme ça, forcément, les pays africains ont commencé à progresser dans la Champions League. Il y a la Super League qui va être créée. On a un continent qui peut avoir beaucoup de moyens à condition de se les donner. Et on essaye d'avancer. Et des fois, si on peut être, il y a toujours quelqu'un qui donne l'exemple. Sinon, on peut être une locomotive de montrer que c'est possible, même dans l'état d'esprit, c'est tant mieux. Et par rapport à notre peuple, forcément aussi, on est un pays qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer. Dans les infrastructures, on a avancé, dans la mentalité aussi. Il faut se donner les moyens pour ça. Et si les joueurs, par le biais du football, peuvent montrer que tout est possible, à condition d'y croire, eh ben, pourquoi pas. De toute façon, le sport, il est fait aussi pour ça. C'est matière à rassembler les gens, à respecter les gens de tout horizon. Cette Coupe du Monde, elle est faite pour ça. Il y a des gens de religions différentes, de pays différents. On est tous dans un même pays pour faire du spectacle et pour rendre les gens heureux. Nous, aujourd'hui, on est peut-être l'équipe qui peut donner un peu cet esprit où tous les grands pays ou même les petits pays vont être derrière nous parce qu'on peut leur plaire et ils vont dire « Ah, oh, cette équipe, elle est sympathique ». Mais je le répète, c'est bien d'être sympathique. Moi, j'aimerais bien que, au lieu qu'on nous prenne pour une équipe sympathique, on nous prenne au sérieux, de par notre jeu, de par les problèmes qu'on peut poser aux équipes, et qu'à un moment donné, ils se disent là, ben, mine de rien, le Maroc, on pensait que c'était un accident, mais ce n'est pas un accident, et on a travaillé pour ça. Merci. Merci. Official training will be held at 6 p.m. in Dubai Stadium, and will be open for 15 minutes. Thank you for your coming. Merci. And your attention. Thank you, coach. Merci. Merci.